Salut les gars, eh bien voilà, mais aujourd'hui c'est une minute spéciale à Québec du Belvédère, la boîte la plus connue du tout le sud-ouest, dont le patron est mon ami Patrice. Voilà, il est là, il nous a reçu ce soir, je ne sais pas combien on a été ce soir, combien, 150 à peu près, ouais. Ah, bon. Voilà, on a vu ce match de l'OM, on a gagné, regardez un petit peu, monte un peu les supporters de l'OM du sud-ouest. Alors, comment on peut parler du match? On a gagné, 4-2. Pour moi, c'est pas un espoir chez nous. On va pas commencer à dire oui ici, oui là, non. 4-2 chez nous, c'est pas un très bon résultat. J'aurais préféré 3 buts d'écart. Mais je retiens quand même le jeu de Valère Germain. Et je m'adresse à tous les entraîneurs à moi des réseaux sociaux qui me disaient qu'il faut embaucher un super attaquant et mettre Valère sur le banc. Alors si Valère Germain est sur le banc, eh bien moi, voilà, mais je bois du Vittel à partir de demain. Les gars, c'est pas possible. Voilà. Non mais voilà. Aujourd'hui, j'ai Sanson, Valère Germain, 3 buts. Sanson, super mec, Lopez, qui monte quand même en puissance à son âge, vous êtes dans le grand bain, je veux dire, de la Ligue Europa. Il y a des caresses. Payet, il n'y a pas que. Il a raison, mon pote. Comment tu t'appelles, toi? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Il voulait qu'on parle un peu de lui. Voilà, oui, Jean-Pierre. Non, mais voilà, ce match nous a montré beaucoup de choses qui promettent de bonnes choses. Personnellement, j'ai vu des trucs qui m'inquiètent un petit peu. Mais je pense que Garcia, qui connaît beaucoup plus le ballon que moi et que nous tous ici, pourra pallier à ces inconvénients. Et que le 3 août, on vient encore ici au Belvédère faire le match retour. Je vous le dis à tous, rendez-vous le 3 août. Et qu'on verra et qu'on voit un match d'une autre facture où on écrasera quand même au Stendé. Parce que si on n'écrase pas cette équipe en Ligue Europa, un championnat sacré. Mais je suis persuadé qu'avant le 3 août, il se peut qu'on ait une bonne surprise de vague. Et on sait très bien que jusqu'au 31 août, il nous manque encore au minimum 2 défenseurs, un super attaquant, et dans ces 2 défenseurs, un super milieu. Voilà les gars, c'est la seule analyse de qu'on peut faire aujourd'hui, c'est le premier match officiel, c'est la Ligue Europa, c'est au Stendé. Tout le monde disait ça va être facile en attendant les ennemis d'eux. On ne va pas commencer à mettre des responsabilités de but sur un et sur l'autre. J'aurai le temps de gueuler toute l'année par rapport à certains joueurs. On ne va pas commencer aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire une grande ovation, surtout à tous les supporters de l'OM du Stade de Vélodrome, qu'on a entendu pendant 90 minutes, aux joueurs qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et surtout aux supporters extérieurs à Marseille, comme ici aujourd'hui, à qui on peut faire un grand bravo, un grand hip hip hip! Hip hip hip! Hip hip hip! Il n'y a pas de problème là-bas. Ciao les gars! Ciao!